Good morgen, allez, Yiden, et ce soir aujourd'hui, le Lonishmat Avraham Mordechai Ben Israël, Befani David Ben Fortuna Mazal Fritna, Richard Aharon Ben Fortuna Mazal Fritna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sérat Ktuvot, Perikud Aleph, Mishnah Aleph, Almana, Nizonet, Min Irsei et Tomim, Maase Yadea, Shelahen, Ve En Chayavin Bikvurata, Yorshea, Yorshe Ktuvata, Chayavin Bikvurata. On traduit directement, on parle d'une almana, une veuve, nizonet, minirsei et tomim, elle se fait nourrir par les biens des héritiers. Et à cause de ça, maaseya dea shelahen, tout ce qu'elle va faire, elle va produire, elle doit le leur verser, tandis que eux, ve'en chaevin bikvurata, ils n'ont pas le devoir, c'est pas sur eux qu'incombe de l'enterrer lorsqu'elle décédera, tandis que Yorshea, Yorshe Ktuvata, ses héritiers à elle qui vont hériter de sa Ktuva, alors eux, Chayavin Bigvurata, c'est eux qui doivent payer la Ktuva, qui doivent se charger de l'enterrer. On explique de quoi on parle, c'est très simple. La veuve. Un homme, quand il se marie avec une femme, alors il lui écrit que le jour où il la divorcera, ou bien qu'elle sera veuve, alors il s'engage à lui verser, le jour où c'est lui qui se retire en fait, quoi, ou lui il part parce qu'il la divorce, ou bien parce qu'il va, quitter le monde, ce monde, et bien dans ce cas-là, il doit lui verser une ktouba. Il s'engage, parce que la femme n'hérite pas son mari. Le mari hérite la femme, mais la femme n'hérite pas son mari. Elle reçoit juste ce que le mari lui a réservé pour elle, c'est sa ktouba, elle le prend, et puis elle va refaire sa vie. Cependant, si vous lisez dans le texte de la ktouba, prochain mariage, quand vous lisez, vous écouterez là-bas, lorsqu'on fait toutes les belles phrases et tout ça, il y a une des phrases qui dit « Ve'at tehe yadva bibeveiti u mitzena adeti nasi leacher machukaze » ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il lui dit « At, toi, tehe yadva bebeti » tu resteras installé dans ma maison, au mitzenan minechasai, et tu seras nourri par mes biens, ad de tinak, tinasinacher, je crois que c'est écrit exactement, je n'ai plus le texte exact, mais en tout cas, jusqu'à que tu sois marié par quelqu'un d'autre. De quoi on parle? C'est quoi l'histoire? C'est qu'en fait, à part le fait que Yaakov, il s'engage à donner à sa femme Rachel, il s'engage à lui dire que le jour où elle se retrouve à veuve, il devra lui verser une certaine somme, 200 000 shekels. D'accord? Mais en plus de ça, il lui a aussi précisé que tant qu'elle voudra, elle sera en droit de rester dans la maison de son mari et de se faire nourrir par les biens de son mari. Et ce ne sera pas déduit des 200 000. Elle n'encaisse pas encore les 200 000. Elle laisse la ktouva dans les mains des enfants. C'est-à-dire autant que la femme, tant qu'elle est mariée, ses biens en fait, ils sont dans les droits, en position, ils sont pour l'utilisation du mari. C'est le mari qui l'utilise, qui tire les dividendes, en contrepartie, le mari doit la nourrir. Et bien la même chose aussi, lorsque son mari décède, elle reste dans sa maison du mari, si elle décide. Imaginez que le mari ait des enfants d'une autre femme, ils ne peuvent pas lui dire, bon allez, va te prendre une location, elle dit, non, moi je vivais ici avec mon mari, je reste ici. Elle reste dans cette maison-là, là où elle était, et elle continue à manger sur le compte des biens du mari, qui sont devenus en fait les biens des héritiers. Les héritiers ont le devoir de la nourrir tant qu'elle veut. Le jour où elle va s'intéresser à quelqu'un d'autre, la Gemara elle parle exactement dans quel cas, est-ce qu'elle va déjà faire rencontrer quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'elle va, à quel niveau précisément, elle va cesser, mais il va y avoir un moment où elle va s'intéresser à se remarier. Dès qu'elle va atteindre un certain niveau de préparation au mariage, on lui dit, ça y est, quitte cette maison, tu n'es plus la veuve de son défunt mari, elle est devenue maintenant la future de quelqu'un d'autre. Elle quitte la maison, on lui verse ce qu'on son dû qu'on lui devait, les 200 000, par exemple, et c'est tout. D'accord? Vous avez compris le principe? Donc elle reste, elle se nourrit pour le moment sur le compte du mari. Mais par contre, il faut savoir, j'ai le devoir de nourrir ma femme, parce que si ma femme, elle a fait aussi entrer des biens. Ça que tout va. Lorsqu'on s'est marié, elle a fait entrer des biens qui lui appartenaient, ou encore parce qu'elle travaille en ce moment, plus précisément, elle travaille, lorsqu'elle travaille, tout ce qu'elle gagne, c'est pour moi. En contrepartie de ce qu'elle gagne et qu'elle me reverse, moi, j'ai le devoir de la nourrir. D'accord? C'est comme ça qu'on s'est engagé. On a, dites-nous, maisonot tachat maaseh yadea.
on doit lui donner les maisonnotes, la nourriture à la femme, en contrepartie des maaseyadea, du produit de ses mains qu'elle produit. Même principe avec la veuve. Elle est la veuve des enfants, très bien, les enfants ont le devoir de la nourrir, mais elle aussi, elle a le devoir de travailler un strict minimum, comme ce qu'on avait dit, et en plus, de verser ce qu'elle gagne, de le verser au yotomim. Elle continue, en fait. Quelque part, on fait comme si que le mari n'est pas mort. On continue avec le même principe. Que elle, elle travaille, elle donne à son mari, au lieu de donner au mari, elle donne aux héritiers, et en contrepartie, eux, ils la nourrissent. D'accord? Ça, c'est les deux phrases qu'on a pour le moment. Kalmana nizonet minir sayitomim, la veuve, elle est nourrie par les biens des... Elle est nourrie à partir des biens des yotomim, des orphelins. Et en plus, que maaseya dea shelen, le fruit de ses actions, c'est elle. Par contre, si elle décède, elle n'a plus, ils n'ont plus le devoir, eux, de l'enterrer. À la différence du mari. Parmi les engagements du mari, le mari, il a aussi le devoir que si sa femme décède, il doit payer l'enterrement. Parce que ça coûte d'acheter une tombe, d'acheter, et donc le CSFP s'incombe au mari. Lorsqu'elle décède, on ne dit pas que les héritiers ont le devoir de payer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est prévu, qui a ce devoir-là, et c'est en rapport avec un autre droit que quelqu'un d'autre va recevoir. C'est quoi? Comme ce que la Mishnah nous dit, Yorsha, Yorsha Ktuvata, les héritiers à elle, Yorsheha, pas Yorshav, Yorsheha, les héritiers à elle, qui sont les Yorsha Ktuvata, qui eux vont gagner, vont hériter de sa Ktuva. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme-là, elle avait cette fameuse Rachel, il y avait Yaakov, il avait des enfants, d'une autre femme, prenez le cas, il avait des enfants d'une ancienne femme qui s'appelait Rachel, il avait eu Reuven et Shimon. Depuis, cette femme-là, Léa, elle était décédée, avec Reuven et Shimon, maintenant elle s'est mariée avec, et Yaakov s'est remarié avec Rachel. Avec Rachel, il n'a peut-être pas eu d'enfant même, imaginez qu'il n'a pas eu d'enfant. Et maintenant, il s'est marié avec elle. Donc on a dit, quand Yaakov décède, eh bien Reuven et Shimon, qui ne sont pas ses enfants à elle, ils sont ses enfants à lui, mais pas à elle, ils doivent nourrir Rachel. Rachel reste dans la maison de son mari, de Yaakov, et ils doivent en contrepartie la nourrir, et elle doit leur donner ce qu'elle gagne. Mais par contre, pour l'enterrement, on ne va pas dire que c'est Reuven et Shimon qui ont le devoir de l'enterrer, mais c'est quelqu'un d'autre, ça va être, imaginez si c'est le frère de Rachel, Lavan, c'est, ouais, imaginez un Lavan par exemple, c'est lui le frère de Rachel, c'est lui qui a le devoir d'enterrer Rachel. Pour quelle raison? C'est très simple. On avait dit qu'Yaakov s'était engagé que le jour où il décède, il doit lui donner 200 000. Mais tant qu'elle reste dans la maison de Yaakov, il ne lui verse pas cette somme, mais en contrepartie, il lui donne à manger. Dès qu'elle meurt, concrètement, eh bien, Yaakov ne va plus lui donner à manger, puisqu'elle est morte. Et du coup, il va falloir lui verser les 200 000. Celui qui va mériter recevoir le droit d'hériter de ces 200 000 de la Ktuva, c'est lui qui a le devoir d'utiliser une part de cette Ktuva pour payer l'enterrement de Rachel. Et donc c'est les Yorshéa, ces héritiers à elle, qui sont les Yorshé Ktuvata, qui ont hérité de sa Ktuva, eux, Chayavin Bikvurata, ceux qui ont le devoir de l'enterrer. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.